sommes dimanche 11 août 2019. C'est génial, c'est cool. Il est tôt, il est 8h30. 8h30. Voilà, on s'est réveillé donc. Bon, c'est levé quoi. Voilà, voilà. Donc, on a passé une super journée à Paris. Hier, c'était cool, malgré le temps bizarre, hyper changeant. Enfin, mais c'était très très bien. Voilà, voilà. En rentrant, on s'est arrêté au centre commercial Vélizy 2. Donc, ce capitaine de la région, vous savez de quoi je parle. Et en fait, Vélizy 2, depuis quelques mois, ils ont tout refait le côté. Comment dire, restaurant, ils ont fait une espèce de géode, enfin, ils ont fait un, pas une géode, mais un, bref, ils ont fait un coin resto qu'ils ont tout réaménagé, voilà, et moi, enfin, ça fait longtemps, ça fait un moment, mais moi, j'y allais plus parce que j'en avais marre d'y aller, pas au resto, mais au centre commercial, à ce centre commercial-là, parce qu'il y a toujours plein de monde et tout, et hier, en rentrant de Paris, on s'y est arrêté, et, bah voilà, au mois d'août, il n'y a personne, donc c'était fort agréable, honnêtement. J'ai mes bouchées, putain. Et donc voilà, je vous ai fait une petite séquence là-bas. Je voulais la mettre à la fin du vlog de Paris. Puis en fait, je me suis dit que ça n'avait ni queue ni tête. Ça aura pas plus de queue ni tête ici, mais bon. Donc voilà, je vous mets les images là. Bon là, on s'est arrêté au centre commercial Vélizy 2, qui est sur le chemin de retour. Et depuis quelques mois, il y a un nouvel espace avec tous les restos. Ils ont tout refait. Là, il y a le paradis du fruit. Quel cinéma que je vous ai montré. Là, le 56, je sais pas quoi. C'est un bowling, je crois. Il y a plein de... Donc là, c'est tout le lieu des restos. Voilà, il y a tout pour manger. Là-bas, il y a le... Comme quand je vais à Saint-Quentin, là. Le Old Wild West. Big Fernand. Voilà, il y a plein de restos. Et en fait, là, comme c'est les vacances, il n'y a personne. Et en plus, il est 16h, donc... Baker Street. C'est vachement sympa. C'est super. J'avais jamais vu encore. Et là, ils font des super glaces. Genre ça. Tout ça. Voilà. Puis là, c'est de nouveau le magasin comme avant, mais bon. Donc voilà, on fait un petit tour au centre commercial. J'espère que je ne vais pas croiser des gens, parce que je croise souvent des gens que je connais ici. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue, parce que j'en avais marre. Il y avait trop de monde, mais là, quand c'est les vacances, il n'y a personne. Moi, je connais pas ce magasin. Je vais aller voir. La range. Bonjour. C'est que des trucs pour le rangement. Voilà, et ouais, donc je trouve ça vachement sympa, ça m'a donné envie d'y retourner en fait. Voilà. Et d'aller tester tous les restos quoi. Il y a des trucs qui sont connus, genre Big Fernand et tout ça, même si moi j'y suis jamais allée, mais il y a plein de chaînes connues de restos, a priori. Bon, le paradis du fruit je connais, mais bon, il y en a plein que je connais pas, donc il faut qu'on les teste un à un, je vois pas d'autre solution. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je vais arrêter de me promener, n'est-ce pas? Quand même, je vais pas rester au premier de la pièce comme ça, comme une idiote. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, ce midi, donc, je vous l'ai déjà dit 150 fois, mais c'est pas grave. On va chez mes parents, genre mon fils, je suis trop contente. Hop, c'est génial. C'est génial. J'ai eu au téléphone hier, mais il m'a déjà dit qu'il voulait rentrer avec nous et pas chez son père. Hein. Pourtant, ils partent en vacances avec son père. J'ai dit qu'une fois qu'il serait en vacances, bah, il serait bien, quoi. Enfin, il serait content et tout, enfin, j'espère. Voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, voilà, ce matin, ça va être tranquille.
Tranquille, tranquille. Là, je vais avoir une lessive à pas étendre, mais à mettre dans le sèche-linge. Et un lave-vaisselle à vider. Voilà, un petit programme de ce matin, ça va être vite vu. A plus tard. Je reprends vite fait parce qu'en fait, hier, quand on est allé au centre commercial, je me suis acheté une petite veste mi-saison. Donc ça peut faire pour le printemps, pour l'automne, enfin début de l'automne quand il fait pas froid, fin de l'été quand enfin bref, je vous montre. C'est plus simple. Voilà. Donc je l'ai acheté chez CA. Hop. Donc c'est voilà, elle est noire avec des perles argentées. Voilà. Donc il y a deux petites poches là, c'est des vraies poches et deux petites poches là avec une fermeture éclair. Donc c'est une fermeture voilà. Je trouve trop mignonne. C'est vrai que je vous la montre porter un de ces quatre parce qu'avec un, par exemple, avec un jean ou je sais pas quoi, ça fait sympa. Donc je suis trop contente. Voilà. Salut. Regardez qui est là à la maison. C'est mon fils. Dis bonjour quand même. Bonjour. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'Alexis est à la maison? En fait, il nous a demandé s'il pouvait... en fait, comme son père venait chercher chez mes parents demain, donc lundi vers 11h, il m'a demandé s'il pouvait revenir à la maison et que son père vienne le chercher ici, à la place. Comme ça, bah, il profite un peu de moi. Hein ? De moi et de son PC ? Non, pas que mon PC. Surtout ta maman. Ouais. Ouais. Donc du coup voilà, donc je suis bien contente. Du coup Alexis il est là, on l'a ramené. Donc il dort à la maison ce soir, puis demain il part avec son père. Alors ça tombait bien parce que je suis en télétravail justement. Tu sais que si j'avais pas été en télétravail, ça aurait pas été possible. T'as un truc à me dire important? Bref. Et oui, donc c'est juste possible parce que je fais du télétravail. Hein. Sinon, ça n'aurait pas été possible du tout. Donc, c'est cool. Donc, il vient me chercher en fin de matinée. Moi, comme du coup, je travaillerai... Ben, en fait, dans mes horaires de travail, j'ai le droit à des pauses. Évidemment. Donc, la théorie, c'est... Enfin, la théorie. C'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Normalement, je la prends vers 10h, 10h30. Ça dépend des jours. Et là, je pense que je prendrai cette pause-là ben, quand je la prendrai quand son père arrivera. Comme ça, voilà. Comme ça, je travaille quand même. Enfin, je fais pas... J'abuse pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais commencer à déconner. Donc voilà. Je suis super contente. Je suis bête, mais... Enfin non, je suis pas bête, mais... Ouais, je suis trop contente, en fait. Lui aussi, il est super content. Il retrouve sa mère et son beau-père et son PC. Je sais pas lequel est le plus important. Non, mais il est content. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc on a passé, j'allume mon PC en même temps, un super moment chez mes parents, c'était cool, il est 5h, on vient de rentrer. Donc voilà. J'avais commencé à préparer ce que j'emmène là pour les 4 jours à Nantes. Enfin, du côté il y a Nantes, il y a la boule, il y a un peu de tout. Donc ça c'est pour... David et moi, j'emmène aussi des salades de plage, on sait jamais. Et le maillot de bain, on sait jamais. Voilà, puis mes affaires. Voilà. Donc j'ai toutes mes affaires, tout était préparé. Puis je pense que comme on est logé chez quelqu'un qui ne sera pas là, mais avec d'autres amis à nous, il faut qu'on emmène nos draps et tout. Et ce soir, on va appeler le cousin de David pour finaliser les derniers détails. Là, j'ai eu un message de nos amis justement, là, pour savoir comment on procède tout ça. Donc là, c'est cool. Je suis contente d'avoir mon fils, vous pouvez pas savoir. C'est un vrai bonheur. Ça fait du bien. Voilà, voilà. Bon, je vous reprendrai plus tard. Ou pas. Je sais plus si je vous ai dit ce matin, il faisait super froid. Je me rappelle plus si j'en ai parlé. Bon, là, ça s'est élevé un peu. Il y a du soleil. Il n'y avait pas de vent ce matin, mais il faisait... Je suis partie chez mes parents avec un gilet pour revenir. Et là, c'est bon, il fait bon, comme en été. Ah si, je crois que j'en ai parlé, que j'en avais marre, ou je sais pas quoi. Du temps, enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Bref. Donc voilà. Je fais mon petit tour de jardin.
Donc là, j'ai remis des affaires au sèche-linge parce qu'en fait, donc c'était pas prévu qu'il rentre et ma mère avait lavé des trucs à Alexis et elle était en train de les faire sécher, mais du coup, bah, je les ai remis mouillés. Comme ça, je les fais sécher. Ce sera prêt pour demain. C'est cool. Donc je l'ai prévenu demain matin quand il partait, faut qu'il... Enfin, qu'il écoute bien parce que j'ai... Enfin, je n'ai pas le temps de rigoler, quoi. Il est trop content. Je n'arrête pas de le dire, mais moi aussi, donc... T'es content d'avoir récupéré ton beau-fils? Oui. C'est cool? Cool. Mon David, il bricole. Comme à son habitude. On va t'occuper. Oui. Sainement. D'accord. Jusqu'à l'heure du repas. Bon, oui. Donc voilà. Vous avez vu ça? Je suis dans une lumière blanche. Bon, je vais pas rester plus longtemps sur ce vlog parce que de toute façon, il va rien se passer de... Voilà. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de vlog, donc... vendredi, samedi, dimanche. Il y aura peut-être des stories Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Je suis en privé, mais j'accepte les gens que je reconnais de YouTube. Me déranger David. Donc voilà, donc je pourrais pas filmer tout ça. Je verrai si je filme et puis que je fais un récap après ou pas, je sais pas comment ça peut se passer. De toute façon j'emmène mon appareil, j'emmène mon téléphone, j'emmène tout. Et mais j'emmène pas mon PC, donc je pourrais pas monter, rien du tout. Mais je pense que de toute façon il y aura pas assez de. Vu que c'est que des gens de la famille, je vais pas. Bref, donc il n'y aura pas de vlog. Pendant 3-4 jours, vous allez être triste, hein, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ou alors vous allez dire, ouf, putain, c'est cool, c'est génial. Voilà. Et là, je vais essayer de faire ce que je peux pour les jours à venir, mais comme vous le savez, bah, ma vie est la vie de monsieur dame tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt calme. Donc je ne sais pas, il y aura peut-être pas beaucoup de vlogs cette semaine en fait, en règle générale. Voilà. Donc j'en suis désolée par avance. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. Un truc qui s'est écroulé. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir David. Au revoir.